Bonjour, ici Alex de shopezopo.com et aujourd'hui je vais vous montrer dans le fond les rechargeurs automobiles pour iPod Touch, iPhone et plein de versions d'iPod dans le fond qu'on vend sur shopezopo. Alors c'est les chargeurs automobiles version 2. On a deux couleurs, le noir et le blanc. Alors dans le fond aujourd'hui c'est juste une petite vidéo pour vous montrer son fonctionnement. Alors, je vais juste allumer l'auto. Si je suis capable à une main. Ah! Je vais juste mettre la lumière. Et voilà. Alors, lorsque vous achetez soit une des deux couleurs ou les deux couleurs, ça dépend lequel vous voulez, vous la recevez comme ça. Il ne vient pas avec le câble iTunes. Fait que normalement, vous l'avez chez vous lors de l'achat de votre iPod ou sinon, vous en achetez un autre sur Shopezopo ou autre. Alors, dans une auto, généralement, vous avez ce qu'on appelle un allume-cigarette. Et dans l'allume-cigarette, bon, pourquoi il chiale? Vous mettez votre chargeur automobile, cette lumière verte qui devrait s'afficher comme quoi qu'il reçoit du courant. Vous branchez votre câble iTunes dedans. Non, je branche le câble iTunes à l'endroit. Oups, juste un instant, avec une main, je l'arrache et voilà. Alors, c'est comme ça. Il faut juste le brancher. Puis la petite lumière verte, est toujours là. Et par la suite, je vais juste sortir mon iPhone. Un instant. Et voilà, je branche mon iPhone tout simplement. Alors, vous voyez, il commence à charger et il est branché sur son automobile dans le secteur de l'allume-cigarette. Alors, c'est la même chose avec la couleur noire, c'est juste que la couleur n'est pas pareille. La lumière est toujours verte. Alors, c'est ça, dans le fond, c'était pour vous faire la présentation de ce produit qu'on vend sur shopezopo.com. Il se branche en USB. Et le reste ressemble à ça. Puis le noir, c'est la même chose. Alors, c'est le chargeur automobile version 2. Alors, c'est ça. C'était Alex de Shopezopo. Merci.